Bonjour à tous, bienvenue chez XTEN Moto. Aujourd'hui, vidéo sac à dos avec deux nouveautés de la marque Alpine Star pour 2015. Donc le Tech Aero Backpack qui est ici, sac sur lequel j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps et qui revient en 2015 avec quelques améliorations sympathiques. Et puis ici à ma gauche, le Charger Air, successeur du Charger, tout simplement. Alors je commence avec le sac à dos donc Tech Aero Backpack d'Alpine Star, millésime 2015. Hein. Il garde le même nom, mais il a été un petit peu amélioré. Redessiné plus exactement, ils ont inséré des coques rigides qui fait que le sac va bien se tenir même à vide. Chose tout à fait surprenante, il baisse en prix, une baisse de l'ordre de 10 €, donc ça c'est très appréciable. Après il faut se souvenir, donc c'est un sac à dos sportif, vous avez un dos tout en mèche très aéré, vous avez une poche interne pour y glisser une dorsale, une poche également pour un sac d'hydratation. Plein de petits rangements spécifiques à l'intérieur du sac dédié. Chose intelligente, ils ont mis plein de petits pictogrammes brodés sur les straps, sur les poches, pour identifier un peu à quoi ça sert, parce qu'il y en a de partout en fait sur ce sac. Au niveau des sangles, il y a eu un petit peu d'amélioration aussi. Hein. On est donc sur un sac à dos sportif, donc on va chercher à avoir quelque chose de très près du corps qui maintient bien. Donc sur la sangle pectorale, ils ont rajouté un petit réglage en hauteur. Alors maintenant qu'on a vu tout ça sur le Tech Aero Backpack, le Charger Air, bah, finalement, pour faire simple, j'ai envie de dire que c'est un peu comme le Tech Aero Backpack avec 2-3 petits trucs en moins. Donc, en termes de volume, on est sur du 18 litres. On n'a plus le soufflet d'extension comme sur le Tech Aero qui permettait de passer à 24 litres, donc 18 litres fixe. On perd également la pochette interne pour une dorsale ou pour un Hydra Bag. Mais sur le reste, on est sur un produit finalement assez similaire, en dessous de la barre des 100 €. Donc, si pour vous, le Tech Aero, c'est un budget un petit peu trop élevé, bah, vous avez finalement le Charger Air qui va s'imposer un peu de lui-même. Donc ce qu'il faut retenir finalement sur ces deux sacs à dos Alpine Star, donc deux sacs à dos sportifs, le Tech Aero Backpack conserve toutes les caractéristiques qu'on appréciait déjà chez lui, baisse de prix, c'est vraiment le truc quasi surnaturel, et puis l'ajout de petites coques rigides qui fait que le sac se tient bien même à vide, et puis le Charger Air qui devient finalement un genre de Tech Aero un peu moins cher, il est débarrassé de quelques accessoires, et à moins de 100 € vous avez un genre de mini Tech Aero Backpack. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur XTEN Moto.